Cali Chazal, responsable de l'exploitation du lycée agricole de Rochefort-Montagne dans le Puy-de-Dôme. Nous avons une exploitation qui est composée de trois ateliers. Un atelier bovin-lait, un atelier ovin, viande, et un petit atelier pédagogique de transformation fromagère. Le tout sur une surface de 107 hectares, tout en prairie permanente. L'ensemble de l'exploitation est également conduite en agriculture biologique. Pour nous, la crise du Covid a nécessité une réorganisation du travail pour s'adapter à la vie personnelle des salariés et le respect des distances sociales. Donc je tiens à remercier Jérôme et Christophe qui jouent le jeu en continuant de prendre soin des vaches. Merci également à Mathilde, la chef de projet, qui prend aussi du temps pour venir m'aider, notamment sur le troupeau ovin. Au niveau de la production, nous pour l'instant, on n'a pas à subir d'arrêt de collecte ou autre. Par contre, la coopérative nous pousse fortement à réduire notre production laitière. C'est pour ça que, afin de participer à l'effort collectif, nous avons décidé de tarir des vaches en avance, d'en réformer certaines et de réduire la ration des vaches laitières, notamment au niveau des concentrés. On a également fait le choix de garder tous les veaux qui sont nés depuis le début de la crise, même les mâles, afin de pouvoir les engraisser, ce qui nous permet à la fois de permettre aux marchands de respecter les mesures de confinement et de se protéger. Et ça permet aussi pour nous de pouvoir avoir un peu de lait qui part pour les veaux et qui ne partira pas pour la COP. Tout même si nos agneaux ne sont pas prévus pour Pâques, mais un peu plus tard, nous attendons quand même à une diminution des tarifs de vente assez importants. Ce qui est assez agréable dans cette crise, mine de rien, c'est d'observer la solidarité qui s'est mise en place. Nous, on a plusieurs enseignants quand même qui proposent leur aide pour venir nous aider. Malheureusement, ils ne peuvent pas en ces temps de confinement. Mais le geste est là. C'est chouette.